Salut à tous, c'est Eden, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan. Alors en effet vous allez vous dire, mais c'est qui Eden? On reconnaît cette voix mais on n'arrive pas à savoir qui c'est. Bien c'est Graphique qui a changé de pseudo depuis quelques temps maintenant. La dernière fois je vous en avais pas parlé dans la vidéo, je fais une courte parenthèse justement avant cette début de cette vidéo pour vous présenter rapidement le fait que j'ai une nouvelle chaîne que j'ai créée et j'aimerais bien avoir votre soutien dessus. Car voilà, c'est le dernier projet que j'aimerais monter sur YouTube et tous ceux qui iront voir seront vraiment remerciés. Donc si vous avez 5 minutes, ma chaîne est dans la description et je vous remercie vraiment. Donc voilà, pas plus de temps là-dessus. Merci portable. Donc, comme je vous le disais, pas plus de temps là-dessus. On va se retrouver sur un gameplay de Call of Duty 4. Un gameplay remasterisé qui j'espère va vous faire plaisir et le sujet est en rapport avec ce gameplay. Ou du moins, n'importe quel gameplay que vous auriez pu trouver sur Call of Duty 4. Comme vous le savez, vous avez eu l'incrustation des médailles sanguinaires, sans pitié, et bien d'autres médailles sur le jeu, et qui a déplu à pas mal de personnes. Ces personnes se sont manifestées, je trouve ça vraiment très bien, ce qui a fait qu'aujourd'hui on arrive à un changement qui va être au niveau des paramètres. Vous allez pouvoir retirer les annotations, toutes ces petites médailles, qui pour moi polluent Code 4, qui polluent Code 4, car voilà, on a l'habitude de les voir depuis quelques temps maintenant, mais sur Call of Duty 4, ces médailles en particulier n'existait pas et je trouve que c'est vraiment un très bon point de nous laisser le choix de les avoir ou non. Alors j'ai une petite question juste à vous poser par rapport à ça. Est-ce que pour vous c'est bien que de base il l'ait mis dans le jeu, qu'on ait la possibilité de les avoir ainsi que de les enlever, ou alors est-ce que pour vous c'est quelque chose de négatif qu'il les ait mis tout court, qu'on ait la possibilité de les avoir? Est-ce que pour vous c'est grave, entre guillemets, on va relativiser les choses, mais est-ce que pour vous c'est quelque chose de négatif? J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Si vous le dites en commentaire, je viendrai vous répondre pour qu'on puisse en discuter ensemble. En tout cas voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.